Suivez désormais sur Guérita TV Monde votre émission Ça parle femme. Ça parle femme, c'est votre creuset uniquement réservé aux femmes. Prenez désormais le rendez-vous tous les samedis sur Guérita TV Monde. Mercredi 25 mai 2022, amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tout d'Horizon. On démarre par le bulletin d'information. Les mangues sont certes riches en vitamines, mais leur consommation excessive est souvent source de diverses maladies. La nutritionniste Rebecca Sabourin donne alors ici quelques conseils pour éviter désormais les effets néfastes de la consommation de ce fruit. Suivons. La mangue est riche en vitamine A, joue un rôle important au niveau du système immunitaire, permet un fonctionnement normal de la vision, un maintien normal de la peau. La mangue est également riche en vitamine C, qui est un antioxydant. La mangue contient plusieurs autres antioxydants comme les polyphénols qui réduisent l'effet des radicaux libres au niveau de l'organisme. La mangue est riche en plusieurs nutriments qui font beaucoup de bien à l'organisme. Il faut consommer les mangues mûres parce que quand les mangues sont mûres, nous avons la chance de beaucoup jouir des valeurs nutritives de ces mangues-là. Plusieurs études ont montré que les mangues sont plus riches en antioxydants, plus de valeurs nutritives que les mangues non mûres. Donc il faut privilégier les mangues mûres et les mangues qui n'ont pas des égratignures. Quand la mangue est fissurée par endroits, cela prouve que les germes ont eu l'occasion de pouvoir s'ingérer à l'intérieur. Donc, avant de consommer les mangues, il faut les désinfecter, donc les laver à l'eau, au savon et à l'éponge pour enlever tout ce qui est déchets qui se trouve sur la peau de la mangue. On remarque souvent qu'en période de mangue, il y a souvent plusieurs maladies qui se manifestent, surtout les maladies liées aux infections, le choléra par exemple, à cause de l'hygiène qui n'est pas maintenue autour de la consommation de. Donc après avoir lavé à l'eau et au savon, les tremper dans de l'eau salée pour désinfecter et retirer, rincer avant de manger. Le sujet peut être exposé à plusieurs maladies liées à l'infection. Il peut avoir les troubles digestifs. Il y a plusieurs maladies qui peuvent se manifester au niveau du sujet s'il ne maintient pas une bonne hygiène autour de la consommation des mangues. Par exemple aussi la fièvre typhoïde. À tous ceux qui consomment des mangues, je suggère qu'ils respectent la qualité et une quantité adéquate au cours de la consommation des mangues. Essayez de toute chose nuit. La mangue a certes plusieurs vertus, plusieurs valeurs nutritionnelles pour la santé, mais quand on exagère dans la consommation des mangues, cela peut avoir d'autres conséquences sur l'organisme. N'oublions pas que les mangues sont riches en fructose. Or, le fructose, c'est un sucre ayant un pouvoir sucrant assez élevé. Mais la mangue est également riche en fibres et les fibres atténuent l'effet hyperglycémien que peut entraîner le fructose sur l'organisme. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut exagérer, parce que si on exagère, on peut faire face à une hyperglycémie qui peut à la longue entraîner le diabète. Donc, il faut consommer les mangues en quantité adéquate. Nous avons l'habitude d'entendre qu'il faut consommer 5 portions de fruits et légumes par jour. La répartition, c'est 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Donc, ne pas dépasser 2 portions de mangue par jour. Ça, c'est par rapport à la quantité. Maintenant, par rapport à la qualité, il faut choisir les mangues mûres. Les mangues qui sont intactes, qui ne sont pas fissurées, qui n'ont pas d'égratignure par endroit. Et bien désinfecter ces mangues-là avant de les consommer. Autre élément dans ce bulletin d'information, le prêtre Fa Hugues Diossou, dans une interview accordée à Guérita TV Monde, a donné des conseils pratiques à la population afin qu'elle ne touche ou ne croise plus jamais les sacrifices destinés aux divinités. Cela pour ne pas s'attirer la colère des dieux. Il est au micro de Evelyne Dossou et Kabirou Adjadi. La géomancie, c'est le Fa en réalité qui nous a mène à faire ces sacrifices. Et ces sacrifices sont des sacrifices qui sont destinés aux dieux de la terre et non les hommes qui vont chercher. Le sacrifice, on dit souvent dans notre langue maternelle, avo et non vonoué.
Sacrifice, c'est juste pour ralentir l'effet, pour diminuer la densité de ce que la personne est en train d'embrasser ou bien de ce qui attend la personne dans l'avenir. On dit souvent dans notre langue maternelle « au doux ». Ça dépend du signe que nous sommes en train de rencontrer avant qu'on ne parle maintenant de sacrifice. C'est pour ça que vous allez voir que les sacrifices, ça varie d'une souffrance à une autre. Les sacrifices que vous voyez sur les carrefours, les impacts ou bien je dirais les conséquences varient d'un sacrifice à une autre. Le premier qui a rencontré cela comme sacrifice sur la grande voie est en train d'embrasser les difficultés de la personne en même temps. Par exemple, si les enfants sortent les matins pour se rendre à l'école, le parent intelligent contourne en même temps la direction que l'enfant devait prendre. Là, c'est mieux. L'élève qui rencontre bien, qui embrasse le sacrifice un beau matin, ne pourra pas bien assimiler les coups comme cela se doit. Devant certaines maisons, bien, sur certains carrefours, en voulant même exposer les sacrifices et autres, il y a des gens qui refusent. Ceux-là d'abord sont en train d'offenser naturellement les dieux de la terre. Parce que ces sacrifices que vous voyez sur les carrefours et autres, ce n'est pas destiné pour les hommes. C'est destiné pour les divinités. Et cette divinité ne peut sillonner uniquement la nuit profonde. C'est pour cela qu'on refuse aux gens, ou bien on refuse à nos enfants de ne pas sortir la nuit, de faire toujours attention si à une heure donnée de rentrer chez soi. Vous allez vous demander pourquoi les sacrifices ne s'exposent pas le jour comme ça, comme la nuit. Ce que la nuit embrasse, le jour ne peut pas embrasser la moitié. Maintenant, celui qui a le curieux, le courage d'aller ramasser des pièces ou bien d'aller toucher ses sacrifices est en train de créer, vous m'excusez un peu beaucoup, hein, sa propre tombe, je dirais. Si tu vois ces choses, il ne faut pas chercher à toucher. Il ne faut même pas chercher à prendre par là où cela a été déposé. Si nous appelons quelque chose au doux, une fois ce au doux déposé sur ses sacrifices, dites-vous que ça a changé en même temps d'effet. C'est seul Dieu qui nous protège tous. Et c'est seul Dieu qui peut nous guider plus. Parce que si tu sors de ta maison et tu dis que tu vas sur un lieu et si tu ne vois pas le sacrifice ou bien tu n'as pas l'idée là, c'est encore une autre version. Mais si vous vous mettez à dire que vous voyez le sacrifice et chaque fois vous attendez à toujours rencontrer le sacrifice, je ne leur demande plus de rencontrer ce genre de trucs et de se mettre à toujours regarder ou bien à toujours voir ce qu'il y a dedans ou bien à toujours aller toucher. Si tu sors de ta maison, là où tu veux aller, va seulement et sois dans la possibilité et le meilleur est à venir. Fin de cette rubrique informative sur tout d'horizon sans transition législative de 2023 au Bénin, inclusion en question. Suivons ensemble la chronique de Mas Gaspard Adjamossi pour mieux comprendre. Législative de 2023 au Bénin, l'inclusion en question. Le Bénin s'apprête à organiser le 8 janvier prochain les élections législatives. Des élections qui permettront de renouveler le Parlement et d'installer une nouvelle législature, la 9e du genre depuis le renouveau démocratique. Les différents états-majors des partis politiques s'activent pour participer à cette échéance. Mais il y a une certaine suspicion qui s'est installée entre les partis politiques de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition, déclarés ou non. Cette suspicion se trouve renforcée par le contexte des dernières législatives, où seulement deux formations politiques, tous se réclamant du chef de l'État, ont pu compétir. Conclusion, seules ces deux forces politiques sont représentées au sein du Parlement actuel, dont le mandat arrive à terme dans quelques jours. De ce fait, dans la plupart des discussions qui se tiennent sur ces élections, apparaît presque toujours le groupe de mots « élections inclusives », ce qui suppose que certains ont l'impression que des forces politiques avaient été sciemment exclues des dernières législatives. Notre propos ici n'est pas de revenir sur les conditions d'organisation des dernières élections législatives. Mais dans le contexte actuel, il est essentiel que tous les partis politiques qui souhaitent participer à ces élections n'aient pas l'impression ou le sentiment que quelque chose se fait pour entraver leur participation. De toutes les manières, des tests existent qui organisent ce scrutin et tous les partis qui aspirent à être en lice pour les législatives doivent impérativement s'y conformer. Élections inclusives, oui, mais élections inclusives ne doivent pas être un slogan ou un passeport pour
d'ouvrir les portes des législatives. Élection inclusive ne doit pas non plus être une obsession au point où il faut mettre entre parenthèses les tests et les principes qui gouvernent une élection. L'idéal serait que tous les partis politiques ayant une existence légale et qui le souhaitent participent aux législatives et pourquoi pas arrivent à élire des leurs au Parlement. Mais cela ne doit pas être à n'importe quel prix. Si un parti politique visiblement joue dans la diversion et qu'il se comporte de manière à constater que sa volonté réelle n'est pas de compétir pour les dites élections, ce parti sera simplement laissé sur le quai. Le consensus doit être recherché par toutes les tendances politiques afin que le prochain scrutin législatif se tienne dans la paix, la concorde nationale et la transparence. Chacun doit y mettre du sien. Le gouvernement a déjà exprimé sa volonté de voir se tenir une élection inclusive telle que réclamée par certains partis politiques. Le médiateur de la République a joué sa partition en initiant des échanges dans cette perspective. La conférence épiscopale du Bénin y a aussi ajouté du sien. Vivement donc que toutes ces initiatives concourent à des législatives inclusives et à un Parlement qui incarne véritablement la représentation nationale. On poursuit tout d'horizon et c'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir au téléphone, Tour d'Horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. De retour du service commercial, avec le même plaisir, nous recevons pour vous, amis internautes de Guérite TV Monde, Armand Chalogou. Armand Chalogou, bonjour. Oui, bonjour, Fawzia Sep. Armand Chalogou, forum de discussion de ce mercredi, on parlera du refus des pièces de 25 francs, 10 francs et 5 francs et encore les billets de banque déchirés ou tachetés. On a l'impression que la pratique prend de plus en plus de l'ampleur. Armand Chalogou. Oui, merci Fawzia Assefou. Il faut dire qu'au Bénin, presque quotidiennement, beaucoup sont victimes de refus ou de rejet des pièces de monnaie altérées ou des billets de banque vieux ou froissés. Et il y en a aussi qui refusent des pièces de 10 francs, de 5 francs, sous prétexte qu'elles sont utilisées pour des sacrifices. Et une telle pratique met un frein donc aux transactions, ça met en difficulté les transactions parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans des situations embarrassantes. Et à l'heure où nous sommes en train de parler des mesures pour atténuer la cherté de la vie, je crois qu'il va falloir donc que cela soit revu. Armand Chalogou, pourtant c'est une infraction au niveau des dispositions prises par la BCAO. Oui, selon les dispositions de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, nul ne devrait refuser une pièce de monnaie ou un billet de banque sous prétexte que la pièce est altérée, la pièce a subi des dommages ou que le billet est déchiré jusqu'à un niveau donné ou que le billet est vieux. Il faut dire que c'est une infraction, comme vous venez de le dire, c'est passible de peine. On peut même se retrouver donc en prison lorsque on s'adonne à cette pratique. Que faire alors face à cette situation? Je crois que il y a un an ou deux ans, le ministre Wadayi a été ferme là-dessus. Il a sorti communiqué pour essayer de rappeler les auteurs à l'ordre. Il leur a dit qu'en réalité, au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, les pièces de monnaie ou les billets de banque qui en cours légal ne devraient donc pas être refusés. Parce qu'en réalité, les billets et les pièces ont un pouvoir libératoire. Et ça nous permet de nous libérer donc non seulement des biens, des services rendus, mais aussi des dettes. Alors je pense que le ministre ne devra pas s'en arrêter là. Il va falloir donc essayer de vulgariser
les dispositions en vigueur. Cela va permettre donc à nombre de Béninois d'éviter donc ces genres de situations désobligeantes. Amma Chalogu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. C'est moi. À bientôt. À bientôt. Fazia Sefou. Instant humour sur tout d'horizon. Suivons ensemble la vidéo du jour. Grande soeur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Conjuguez-moi l'auxiliaire être au passé composé. Bien. Bonsoir, ma grande. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Bien. C'est quelle classe? Troisième F. Combien de planètes existent-ils dans le monde? Des planètes, planètes. 345 000. Sur quelle planète sommes-nous? Oh, c'est pitié incroyable. On a combien d'auxiliaires en conjugaison? 8. Une. 8. Ok. Qui sont? Frapper, tuer, voler, manger, chier, boire. C'est déjà bon, composé. Je être, tu être, il a ou elle être, nous être, non, vous être, il sa ou elle être. Oh, cette pitié incroyable! Et c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.